Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous sommes en fait dans la baie de Villefranche-sur-Mer. Hein, magnifique baie pour une nouvelle vidéo. Donc j'en profite d'être en déplacement professionnel pour vous faire cette nouvelle vidéo. Donc je l'avais promis depuis quelques semaines. Comment soigner mon arthrose grâce à la loi d'attraction ou tout simplement loi d'intention. Alors, comme j'ai déjà relaté en fait dans différentes vidéos, le pouvoir de la pensée, de la verbalisation et de nos actions dans la vie sont les socles de la Trinité qui remontent à l'origine en fait des religions. Alors, ce qui est important, c'est de se mettre en corrélation avec ses pensées, ses verbalisations, c'est-à-dire tout ce que l'on va dire dans la vie, tout ce que l'on va pouvoir promettre aux gens, les mettre en adéquation avec des actions. Alors la guérison vient aussi grâce à tout ça. C'est-à-dire que plus je vais croire, plus je vais verbaliser, plus je vais mentaliser que je vais guérir, plus je vais guérir. Alors vous me direz que dans le cas de très grandes maladies, très grosses maladies, etc., comme le cancer, etc., c'est pas possible ces choses-là, etc. Alors je vous répondrai oui et non. Ce qui est important, c'est de vouloir s'en sortir. Alors vous savez très bien que la vie ne nous appartient pas vraiment. Hein. Nous sommes ici sur cette terre pour expérimenter des épreuves de vie, par un enseignement, par l'épreuve, parfois par des souffrances extrêmes et parfois par la mort. Par la mort donc de notre corps physique, hein, pas sur le plan de l'âme bien sûr, mais ce qui est important, c'est de comprendre en fait toute cette conscience qui nous entoure. Alors la conscience, c'est quelque chose qui en fait qui est lié à l'esprit, qui est lié au plan de l'âme divin, et quand on est en connexion grâce à tout ça, en fait on se plante pas en fait dans ses choix de vie. Hein, on a pu très bien se planter au début, etc. Mais arrivé à un moment, on rentre dans le rang, dans le rail, comme on dit, on est sur le bon chemin, etc. Puisque de toute façon, toutes nos inspirations profondes se mettent en adéquation par rapport à tout ce que l'on veut. Voilà, donc, comme disait une dame, par rapport à tout ce que j'arrive à réussir à l'heure actuelle dans ma vie, quand on est sur sa voie, on ouvre une autoroute. Et c'est tout à fait le cas. Hein. Donc, je remercie cette dame pour ce petit adage qu'elle a créé, etc. Voilà. Donc c'est important donc de tous communiquer, de tous s'aider. Moi, vous voyez, toutes ces vidéos que je fais, à la base, c'est aussi pour vous aider, mais je me rends compte avec le temps que toutes ces vidéos m'aident aussi moi au quotidien, comme quand j'ai pu écrire mon livre, qui a été en fait de grandes expériences de ma vie, des compréhensions, etc. Justement pour vous faire comprendre que vous aussi, tous ces tracas de vie, toutes ces épreuves vous font aussi avancer. Mais après, à condition que si vous les conscientisez. Hein, c'est sûr que si vous les laissez sur le plan du hasard, c'est sûr que tout ce que vous allez vivre, quelque part, ça va être une perte de temps, puisque vous n'allez pas conscientiser l'épreuve. Hein, c'est un peu comme nos parents. Pour certains parents par exemple qui battaient leurs enfants, l'enfant qui n'aura pas compris battra ses enfants lui à nouveau, par exemple, voilà. Mais s'il a compris l'épreuve, là c'est un exemple, hein, lui fera l'inverse, hein. C'est un peu comme un alcoolique qui voit sa mère, disons un alcoolique, un enfant qui vit dans l'alcoolisme avec sa mère ou son père, il dit je ne boirai jamais d'alcool ou il ne sera plus alcoolique, là lui il a compris l'épreuve. Mais si à son tour il devient alcoolique, l'épreuve ne sera pas comprise, donc ne sera pas conscientisée dans sa chair. Donc c'est pour ça qu'en fait il faut aller tout expérimenter par nous-mêmes, toutes nos croyances, notre éducation. Ben, il faut le mettre à la poubelle, hein. Donc il faut apprendre à mourir sur le plan des croyances et pour pouvoir renaître, donc c'est quelque chose de très important, remettre en question toute notre éducation. Alors l'éducation qui nous a été donnée est souvent erronée, c'est celle de nos parents, mais c'est peut-être leurs expériences ou l'expérience de leurs ancêtres, mais c'est certainement pas la nôtre, hein. Donc toutes les choses de la vie qui nous appellent, comme dit le Dalai Lama, il faut aller l'expérimenter dans sa chair.
Donc voilà, donc nous allons revenir à, comme j'allais dire, à nos moutons. Ce qui est important, c'est la conscientisation de chaque épreuve en lumière, etc. Donc pour comprendre justement le pouvoir de cette loi d'attraction qui est si magnifique et qui en même temps qui peut être très destructrice ou qui peut être en même temps très révélatrice d'éveil spirituel, etc., de compréhension de vie, de lâcher son sac à dos avec toutes ces charges émotionnelles qu'on peut avoir sur le dos, hein. Quand vous avez mal au dos, c'est ça, c'est que vous portez à bras le corps sur votre dos toutes vos épreuves, vos fardeaux, le mal qu'on a pu vous faire parce que vous avez laissé le mal se faire et donner le pouvoir aux autres. Donc voilà, c'est important. Donc alors comment j'ai guéri de mon arthrose? Alors à l'origine de tout ça, moi je faisais du sport à haut niveau, hein, je faisais du triathlon. Donc c'est des chocs répétitifs, notamment la course à pied, etc. Donc avec des mouvements rotatifs au niveau des jambes, on le retrouve chez les gymnastes, on le retrouve chez beaucoup de personnes qui font répétition au niveau de la même foulée, etc. Donc, arrive un moment, bon, j'ai fait comme beaucoup de monde toutes les batteries de tests médicaux normaux, scanners, IRM, voilà, et puis les autres qui ne me viennent pas tout de suite dans ma pensée, les échos, etc. Et bah, on n'a rien trouvé en fait, hein, peut-être une petite usure anormale des cartilages, etc. Mais. De là à provoquer en fait des douleurs extrêmes comme j'avais, ben, il n'y avait pas moyen d'opérer ni quoi que ce soit, mais ça me faisait vraiment des douleurs atroces. Parfois, je pouvais même rester des minutes par terre, etc., sans pouvoir me relever. C'est pour ça que je vous conseille que si vous connaissez des gens et même vos enfants font du sport à haut niveau ou vraiment 5-6 fois dans la semaine, de les faire arrêter tout simplement. Parce que le sport, ça doit rester juste au plan loisir pour le bien du corps et non à forte dose. Hein, parce qu'après, c'est une fuite en avant. Moi, ça a été une fuite en avant parce qu'à l'époque, ça n'allait pas dans ma vie de couple avec mon ex-femme Danielle. Voilà, mais ça, j'en avais pas la portée, la réalité, etc. Donc il faut mieux aller nettoyer ce qui ne va pas dans notre vie que d'aller s'enfuir en fait, soit dans un ego de sport, de vouloir toujours être meilleur que les autres, ou une fuite par rapport à nos problèmes. Donc voilà, donc une fois que j'ai compris ça, je me suis dit, et puis arrive un moment, je connais la loi d'attraction, et je me dis, bah, je suis guéri. Et plus je me répétais, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Attention, sujet, toujours sujet, verbe, complément, au positif. Pas de je ne suis pas guéri ou par exemple je n'arrive pas à faire ceci, cela. C'est toujours au positif, c'est le ne pas, l'univers ne connaît pas. Et si vous dites le ne pas à chaque fois, bah, vous allez attirer le ne pas. Hein, par exemple, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de santé, je n'ai pas de ceci, je n'ai pas de cela. Là, vous allez attirer ça. Hein. Ce qu'il faut, c'est je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Donc, il faut le dire en permanence, disons le plus souvent possible que l'on peut. Voilà, et surtout y croire en fait dans votre chair. Alors, souvent, les gens, ils me disent, moi, pourtant, je suis positif, mais il n'y a rien qui marche dans ma vie. Mais il suffit, ça serait trop facile de dire je suis positif pour que ça marche dans ma vie pour être positif. Ce qu'il faut en fait, c'est le vivre dans sa chair. Voilà. Si vous vivez cette positivité en fait dans votre chair, eh ben vous allez devenir positif, vous allez vous guérir de tous les maux du corps, de toutes les maladies, etc. Et à partir de ce moment-là, eh ben en fait vous allez être en connexion avec votre âme. N'oubliez pas qu'en fait, beaucoup de gens me disent je fais de la médecine douce, je vais voir des naturopathes, etc. Mais tant que vous ne travaillerez pas en fait dans la globalité de votre âme, le naturopathe ne travaille pas dans la globalité de votre âme. N'oubliez pas ça, il travaille dans l'aspect physique, mais il ne travaille pas en fait dans l'aspect énergétique profond, c'est-à-dire la liaison avec le corps spirituel. Hein, souvent, il manque
Il manque des axes qui sont quand même principaux, pour vraiment pour vraiment se soigner, se guérir, il faut travailler dans quatre axes, c'est-à-dire dans celle du corps physique, hein, dans celle du corps mental, donc la pensée, donc ce que je suis en train de penser, parler sur la pensée en disant je suis guéri, donc ça c'est ma pensée. Et quand je le vis dans ma chair, je touche le corps émotionnel. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, je vais le vivre dans ma peau, dans mon corps, je suis guéri, donc je vais sentir cette guérison, je l'envoie cette guérison dans mon corps, donc je le vis comme un traumatisme. Par exemple, si je viens tomber d'un étage, boum, là je vais me faire mal. Et donc là, j'aurais vécu aussi cette émotion, mais dans le négatif. Et à partir de ce moment-là, quand vous le vivez dans l'émotion, arrive à un moment, quand vous êtes en connexion déjà avec ces trois corps, vous ouvrez la porte à l'aspect du corps spirituel qui est le plan de l'âme et où beaucoup de médecines n'arrivent pas à avoir parce que ils ne connaissent pas la portée de l'esprit via l'âme. Donc ce qui est important, c'est en fait d'aller décharger toutes ces émotions positives et négatives sur le plan de l'âme. Et si vous ne faites pas ça, en fait, bah, l'émotion, elle reste en boucle dans le corps physique et dans le corps mental. Hein? En fait, c'est comme si que vous ne disiez pas les choses, donc ça reste en vous, donc ça vous bouffe de l'intérieur. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est aller ouvrir donc, cette passerelle, cette porte, cette fenêtre, pour pouvoir vous décharger en fait sur le plan de l'âme et ainsi en fait régler en fait toutes vos épreuves ou une grosse partie de vos épreuves de vie dans cette vie jusqu'au moment où vous n'allez plus en fait vous réincarner etc. puisque si vous n'arrivez pas en fait sur le plan de l'esprit en fait par la conscience en fait de toutes ces épreuves et ben en fait vous allez sans cesse reproduire et les réincarnations ne s'arrêteront pas. Voilà, donc c'est important de le comprendre dans sa chair. Voilà, et si vous avez vraiment un mental hyper perturbé, alors c'est vrai que la méditation pourra vous aider, etc. Moi, j'en ai pas eu besoin parce que justement, j'ai appris à canaliser très tôt les énergies. Essayez d'apprendre toutes ces énergies comme le Reiki ou comme d'autres méthodes comme le chamanisme, etc. Ça vous donnera déjà accès à beaucoup de plans d'âme, à vos plans d'âme, etc. À guérir en fait toutes les situations en fait du passé, de vos réincarnations, de cette vie, etc. Pour aller vraiment vous transcender, vous guérir, vous améliorer. Et justement, et quand vous avez accès à ça, arrive un moment, bah vous irez plus vite que les autres. Alors c'est vrai, on s'en fout des autres, mais ce qui est important, c'est d'arrêter en fait le cycle des réincarnations et surtout en fait toutes vos épreuves qui vous plombent vers le bas et qui vous font souffrir énormément. Voilà, donc chaque jour, remettez-vous en question, soyez meilleur que vous-même par rapport à hier. Et vous verrez que en fait la vie vaudra réellement d'être vécue parce que certains me disent voilà je suis dans la galère donc qu'est-ce que j'ai un foot ici j'arrête pas de souffrir etc. Et à partir de ce moment-là quand vous êtes sur l'autoroute comme je disais tout à l'heure bah c'est que du bonheur voilà et après bah vous allez aider les autres etc. parce que avant tout ça vous vous êtes aidé vous-même. Donc c'est important. Donc moi je me suis répété sans cesse, je suis guéri des genoux, je fermais les yeux, je le ressentais dans mon corps. Parfois je mettais même mes deux mains sur mes genoux et en répétant ça, n'importe où, j'étais dans la forêt, sur la plage, etc., dans mon canapé. Et puis je canalisais l'énergie à travers mes mains et maintenant je n'ai plus mal. Hein, on m'avait quand même dit il y a quelques années après m'avoir fait opérer d'un disque lombaire que j'en aurais un deuxième à opérer aussi. Et à force de canaliser l'énergie en moi, autour de moi, etc., bah, je me suis aussi guéri donc ma deuxième hernie discale. Hein, même le professeur, il en était sur le cul, si je peux m'exprimer ainsi.
Voilà, donc, comme on dit, quand on veut, on peut. Mais n'oubliez pas que si on doit guérir, on guérit. Hein, mais bon, il faut, comme dit l'adage, aide-toi et le ciel t'aidera. Si tu ne t'aides pas, le ciel ne t'aidera jamais. Donc voilà, donc il faut se mettre en action, action-réaction. Et à partir de là, bah, c'est que du bonheur. Voilà. Et puis voilà, on fera une autre vidéo plus tard sur les notions de mort du corps physique, etc. Voilà. Je vous remercie. Si vous décidez de venir à moi pour des soins, des formations, des conférences, etc., vous aurez en fait tous les renseignements sous cette vidéo pour pouvoir me contacter. Je suis sur la région de Toulon dans le 83, mais bon, je me déplace en fait dans le monde entier. Bah, comme vous verrez sur mon site internet, les pages jeunes, etc. Parce que je suis pas mal connu. Voilà. Et puis bah, tout ce que je fais, bah, ça marche du tonnerre. Voilà. Bon, bah, je vous fais de gros bisous et puis à une prochaine fois. Je vous laisse profiter de cette vue une dernière fois. Hein, donc la baie de Villefranche. Bon, aujourd'hui on n'est pas gâté parce qu'il fait, c'est un peu couvert ce matin. Mais voilà. Je vous montre. Ah, c'est quand même magnifique. Hein. Vous voyez, il y a même un bateau de croisière. Voilà.